La potion mystérieuse. Il était une fois, dans le royaume des merveilles, une jeune sirène qui s'appelait Merilia. Celle-ci était gentille, courageuse et aventurière. Malheureusement, le sorcier Barbe Noire avait ensorcelé le village qui était sous son emprise. Les habitants des merveilles étaient tristes. Leur vie était malheureuse. Il n'y avait plus de fêtes. Un jour, Merilia alla voir son ami Max. Il lui parla d'un livre magique qui pourrait l'aider à conjurer ce sort. Merilia se rendit le lendemain à la bibliothèque du royaume, où était ce fameux livre. À l'intérieur de celui-ci, elle découvrit un parchemin qui expliquait les 3 défis à accomplir pour accéder à l'antidote. Immédiatement, Merilia se rendit dans la jungle noire. Première étape de son aventure. Elle se retrouva face à des piranhas. Elle eut l'idée de leur raconter une blague. C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Les piranhas se mirent à rire. Et Merilia profita de ce moment d'euphorie pour échapper à leur intention et continuer son chemin. Voilà déjà un premier défi de réussite. Quelques heures plus tard, elle pénétra dans la forêt noire. Quand soudain, elle trébucha sur une algue. En se relevant, elle réalisa qu'elle était entourée de méduses. Celles-ci lancèrent alors leurs tentacules sur Merilia, qui réussit à les neutraliser grâce à son super niveau en karaté sous-marin. Le deuxième défi fut ainsi validé par notre jeune aventurière. Elle reprit tout de suite sa route. Elle nagea tranquillement pendant un long moment. C'est alors qu'une explosion retentit. Au secours, à l'aide, au secours, à l'aide. Son ami Max, alerté par ses cris, débarqua alors très rapidement sur le dos d'un dauphin. Ouf, la voilà sauvée. En remontant à la surface, Merilia réussit à récupérer l'algue antidote tant attendue. Le troisième défi fut ainsi réussi. Merilia fonça alors au château du sorcier Barbe Noire. À son arrivée, elle distribua immédiatement l'algue magique à tous les habitants. Le sort de ce maudit sorcier fut ainsi enfin brisé et tout le monde put retrouver le sourire et le goût de la vie. Une grande fête fut organisée pour célébrer ce grand jour qui resta gravé pendant très longtemps dans les mémoires. Quelle aventure !